Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakmako Lakay. Nous voulons porter un update pour sur un procès qui a gagné le sous. Le procès, c'est qui ça le dit? Il concerne un pile de monde, son bail qui est grave. Et c'est des monde, surtout, en fait, n'a pas les surtout monde qui sont à Zilio, qui renouvelent leur travail. Et les renouvelent leur travail, ils ont fait un papier qui a une extension pour 6 mois. 6 mois arrivé nada, pas rien, 10 mois arrivé nada, gain sous rien nada. Gain quand tu as fait du travail, on connaît gain du travail. C'est madame, gain du travail. Gain travail qui fait considération, bon bon travail depuis date d'arrivée de pas à fond, il veut aller. So, nous on parle avec vous là. Et nous en période Noël, bon bon monde qui sont asile, c'est tout qui nous bien nous parle tous, c'est tout ça qu'a pour nous faire travail qui à pied. Son bagage qui grave ou ka imagine ça ça veut dire les moun pa gen travail pa bo ici et à cause de problème ça ben gon bon moun ki sou asile et gen ki chok droit à faire plaisir yo pa yo décidé pa garder yo dans la justice et y a la justice et yo t'al chercher ça ndare les injonction dans le sens que pour juge te prendre décision pour te forcer USCIS dégager le coup qu'on est pour le bail quand travail ça avant 180 jours ou tout au moins s'il pas gagne en bail pour le bon l'autre pas connait une autre extension encore parce qu'il faut pour notre travail bouche li fond côté l'abdomen il va pas dormir en bas bon et l'autre bagage encore qui ca fait c'est que depuis un monde en fait c'est des choses qui capable fait hein faire un cadre travail pourquoi pas prendre décision qui dit monde ça qu'à travail et à moins que une grande décision qui dit naïli et ça le d'assurer de quoi décider à la justice justement où tu as cherché ça n'a relé une préliminaire injonction ça veut dire une préliminaire injonction généralement l'on en procès avant même juge la prend décision finale ou dit agit pour moi sous dossier ça passe le pas attendre et ça veut dire dossier ça pas attendre même lorsque le procès a continué à agir puisque son cas qui est grave. Et malheureusement, hier qui était 22, et Federal Court et deny préliminaire injonction ça. So process ça qui t'a challenge USCIS pour ça nous relayer un extrême retard et il gagne le fait que le pas process autorisation de travail pour asile de sécurité. Juge là et dit juge là bail refus. Donc mauvaise nouvelle et pour des milliers de monde et qui pas dans travail dans moment et d'autres même qu'on est plusieurs hein c'est depuis au printemps travail là garder attendre qui les boss là dit yo mon chef ou là car mon chef ne va pas qu'un gros là encore. Donc plusieurs monde qui a risque pour perdre travail. Enfin, de cause, ça a commencé depuis l'année 2020. On dit 20 décembre 2020, il vient plus mal, ok? Et USCIS, lui-même, ça l'explique, lui dit, c'est pas l'autre bagage, c'est coronavirus. Et il met un bon bagage. Il dit le fait que le bagage se voit assez moun pour fingerpoint. Le fait que t'es un bon moun qu'il te voit, il te understaffe, t'es un bon moun calé, un bon nouveau moun l'actuel. Donc, son pile de mélo pour l'expliquer que, mais ça qui fait que, et bien gagné et tout retard ça on ka comprendre but en clair USCIS ka toujours ba explication mais l'essentiel pa gagne aucune explication ou pral ba pour moun ça qui perd du job li par contre si me comprendre et bon on dit que en tant que citoyen nous ta comprendre que effectivement USCIS gagne des problèmes but nous pour aucun individu li pa vraiment comprendre pour qui ça l'obligé et pour qui ça l'oblige camper travail. OK? Pour qui ça l'oblige et justement pas qu'à joindre corps pour le mettre sous table. Donc ça pas grand aucune explication. N'a rappelé le sous ça qui était fait dans Federal Court de North and District de California. Monde qui était fait ici American Immigration Council bien Assalam Sikri Advocacy Project ASAP que nous parlons de lui souvent ASAP là et il est très efficace surtout pour monde qui parle faire entrer dans asile puisque lui même
très tellement pas de problème ça m'bon garanti de pour dans ensemble là avant moi en fait pour mon cap renouveler bien pas pour mon cap renouveler surtout pour mon cap faire pour première fois et donc une raison qui fait que juge la dinali c'est que gon bagaille USCIS fait intelligemment c'est 5 monde et 5 individus parce que leur voile font bagaille faut joindre des exemples des monde qui victimes et qui disent que 5 monde qui victimes calé dans procès là dedans il y a 3 avant que pour te prendre décision le 17 il y a été approuvé juge là il a prendre décision dit ouais mais ça me dit non mais toi il y a été approuvé et puis et juge là explique différentes contraintes que USCIS dit gagne en fonction de ça et en fonction de ça il pas décidé et bail préliminaire injonction qui t'a forcé USCIS justement pour résoudre et pour permettre de continuer de travailler. Mais quand ça arrive dans un moment à travers tout le pays, il y a des gens qui vivent là qui sont les worker shortage. Comme vous avez dit, je dis absence de main-d'œuvre. Pas gagner main-d'œuvre. Sous base, pas gagner main-d'œuvre là où il y a des centaines d'asile-seekers. Justement, il y a des gens qui ont pied, même des bonnes compagnies, compagnie déjà dans un problème. Bien que Kembe a son bagage illégal, et ça vous comprenez, compagnie, pas vle à l'an bagage illégal pour un problème, parce que vous n'avez pas autorisation de travail. Normalement, vous êtes supposé et vous aller. Ok? Et donc, les États-Unis ont fait face avec un très large de standard shortage de travailleurs. Et octobre qui se passe là, US Labor Department a rapporté qu'il y a à peu près 11 000 jobs. 11 millions! 11 millions de job opening, nous avons déjà dit 11 millions de job opening. Alors que il y a 4 millions de monde qui quittent le travail. Donc pourquoi vous prenez une véritable catastrophe. OK? Et donc nous comprenons, j'ai un tata important pour que vous permettre que des centaines de milliers à sa langue viennent retirer pour charge ça pour capable de travailler normalement. Et ça me fait tout dans poser c'est que je n'ai pas bail préliminaire injonction mais le dossier a continué dans le tribunal, vous comprenez? Et mais ça vous dit tout il a de tout bail ça a son problème nous pensons que il faut grand pile pression c'est vrai qu'il y a le tribunal avec mais gain des décisions que l'administration Biden n'a qu'à prendre. OK, il y a là il savait le gain doit dire bon OK mais ça n'a pas fait monsieur nous avons un problème mais n'a dit n'a pas un bagage qui dit qui ça et tout le monde qui a renouvelé quatre travail n'a quitté fonctionnaire à quatre travail. OK, voyez une lettre qui baille une extension qui peut plus loin par exemple on prend par exemple un monde qui gagne résidence 2 ans il ba une extension pour 24 mois et même l'aime pas pour bailler pour 24 mois mais bailler li pour 1 an ba une extension un sous parce pas oublier que dans résidence 2 ans tu compte ba 18 mois là ouais ba là prend puisque 18 mois ouvre pour 24 mois c'est pareil USCIS qui te compte ba une extension pour 6 mois puisque le plus souvent les ouvre 6 mois qu'après il faut revenir mais bailler pour 1 an. OK, bailler pour 1 an son façon pour nous capable résoudre les problèmes ça qui vraiment affecté et des centaines de milliers et de monde qui sous route perdit job ça gain temps perdit job yo. Donc toute organisation qui dans bataille ça que ce soit ASAP ou tu dis même il y a keep fighting pour quatre travail monde qui a demandé asile au renouvellement et pour pas perdre travail à cause de hauteur de gouvernement et donc Biden administration Biden moi c'est que procès ça avance en bail vous dit yo gain pouvoir pour fixer yo capable j'en se dit à éteindre work permit hein au lieu de quitter 6 mois là mettez 12 mois n'importe là donc et l'espoir c'est que l'administration va reconnaître qu'ils sont crise tout le monde vrai bon sont crise et délai ça qui crée voisin sécurité en plus là dans c'est essential worker des qui nurse qui est dans le domaine de la santé qui risque et perdit bagage qui remettre vivre et habilité pour supporter famille et dans mi temps en pandémie. OK, so guys, et donc je dis là malheureusement et ça me gagne devant là c'est procès c'est en d'autres termes c'est décision juge là qui dit que pour raison il a raison il parlait de deux trois mois sur cinq ans qui est un jeune qui travaille décide de mon qui a souffri et il dit bah des pour être un jeune il se retire laisse la caisse la miote parce que être un jeune il gagne deux
Donc, sous base ça, USAID explique les contraintes que le gagnant. USAID dit, bon, nous n'avons pas habitué à fonctionner comme ça, c'est une bonne affaire, vous comprenez, c'est depuis 2020 et nous avons un backlog qui a marché sous nous. Donc, en ce sens, le juge n'a pas bâillé préliminaire injonction, mais causé à continuer. Mais l'idée, nous avons souhaité que vous compreniez qu'effectivement, c'est un problème. Et que il résout le pour plusieurs monde et moi gagne des monde là qui viennent côté c'est un deux choses son problème majeur et c'est vrai que me parler de ça là c'est que même des cavaliers tout pour plusieurs l'autre groupe monde des séries de monde qui sont dans interview depuis ans pour comprendre qu'a demandé ça passé OK c'est un problème qui affectait différentes l'autre catégorie groupe monde donc voilà guys justement nous te voulons pour te update ça pour vous.